on est en direction pour aller à l'hôtel Palafitte. On est super excités, on va vous filmer tout le trajet, toutes les activités, notre chambre, tout ce qu'il y a à voir et on se réjouit trop. On a sur place un package cocooning qui nous attend, c'est-à-dire que là quand on va arriver, on va directement aller au spa qui est à 40 minutes de l'hôtel et ils vont prendre soin de nous, ça va être trop cool. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas regardé à quoi ressemblait le spa. Ça va être vraiment cool, du coup on va tout découvrir en même temps. Et voilà, ça va être génial. Si jamais vous connaissez pas l'hôtel Palafitte, c'est un des seuls hôtels il me semble en Suisse qui est sur des pilotis, du coup on est vraiment sur le lac. Et oh là là, je me réjouis tellement, j'ai tellement entendu parler de cet hôtel. Mes parents y sont allés, il paraît que c'est juste exceptionnel. On va dîner là-bas, on va avoir les petits-déj là-bas. J'ai hyper excitée, pas toi? Très excitée. Et Salomé se réjouit de se baigner dans le lac à 2 degrés. Oui, c'est une activité que j'adore faire. On est finalement arrivé là où il y a le spa. Où est-ce qu'on est? Dans le Val de Travers. Dans le Val de Travers. Et voilà, donc le spa s'appelle la Villa Florius. On va aller prendre nos maillots dans nos sacs maintenant et on va aller découvrir tout ça. Vraiment trop chouette, il y a plein de salles, il y a une salle pour des couples qui s'appelle la salle keto, j'ai montré des images maintenant, c'est vraiment trop beau. Et il y a des salles vraiment cool, par exemple il y a une sorte de endroit où il y a une salle de une table de massage et au-dessus il y a tout un plafonnier qui fait un massage à l'eau avec des lumières et des machins, c'est vraiment très cool. Je me demande si on pourra l'essayer, je pense pas, mais il y a hammam, sauna, sinon on va vraiment bien se marrer et à 15h on a notre massage à nous. Et ça va être vraiment très cool aussi. Mais là on va encore profiter de la baignoire. La baignoire, la piscine en extérieur. Il y a trop de trucs cool. Alors Raphaël, tu es content? Ça va, on se prend bien. C'est nul de sentir qu'une blogueuse. C'est horrible. On vient d'arriver à l'hôtel, c'est super tard, c'est bientôt 19h il me semble. 18h. 18h, bientôt 18h. Et on vient d'arriver à l'hôtel, mais c'est déjà nuit dehors. Et du coup on va trouver notre chambre et voilà. Sauf qu'on pourra pas voir l'extérieur très bien je pense, maintenant. Ce sera pour demain matin. Ce sera pour demain matin. Thanks.
Bon les gars, petit room tour d'une grande chambre, du coup grand room tour. Là l'entrée, donc pas la porte d'entrée, ici il y a la salle de bain, des toilettes. On va allumer la lumière. Donc les petites toilettes qui sont assez détachées de la chambre. Ouais mais je la trouve pas. Ensuite là il y a la salle de bain. Il y a Raph qui explore avec moi. Sorte de méga baignoire, énorme douche. Les deux vasques. C'est... Attends, c'est gigantesque, c'est plus grand que mon studio à Lausanne. Et c'est canon. On va prendre un méga bain après. Et là il y a le lit. Et ils nous ont laissé des énormes chaussettes. Et une bouilloire. Et une énorme chaussette pour Raph. Et là il y a un sorte de miroir. Et ici il y a un accès direct à la vue panoramique de la douche. Très romantique. Oh, on a une lettre qu'on va ouvrir. Là il y a une machine à café. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. La téloche. Un petit bureau. Et là, je vous refilmerai ça pendant la journée. Je crois que ce sera plus sympathique. Parce que là on dirait qu'il y a genre bah rien. Mais en fait tout ça c'est le lac. Ah là on peut voir un peu mieux. Ouh, wow, c'est beau. Voilà, en fait notre chambre elle est vraiment comme ça, sur des pilotis, sur l'eau. C'est assez fou. Non? Bon, là on va aller se rafraîchir, se doucher. On s'est pas douché après le spa. Et prendre le temps. Normalement ils vont nous amener un sorte de goûter en chambre. Ah oui, aussi un truc qui s'est passé de super chouette, c'est quand on est arrivé à la réception et qu'on a check-in, elle nous a sorti 3 bougies et elle nous a demandé d'en choisir une, parce qu'on a droit à une bougie en chambre. Du coup on a choisi celle-là, escapade exotique. Donc on est trop heureux, c'est trop bien. Je vais vous montrer le goûter quand il arrive. Mais là on va essayer peut-être se poser un peu. Il y a aussi un thermos. Est-ce qu'il contient quelque chose? Je ne sais pas. On verra. Bon, à toutes. L'allumage de la bougie. Bravo. Là, on est dans la chambre. Je me suis remaquillée et on attend notre goûter. Sauf que c'est bientôt... 18h. 30. Et on a la table pour manger à 19h45. Mais on a super faim, du coup on se réjouit du goûter. Et on a trouvé qu'il y a Netflix sur la télé, du coup on va se mettre un petit film. On a réussi aussi à la bouger, à la mettre dans notre sens. On va regarder quoi? L'ange du Mossad. Non. Un film d'horreur? Oui. Un film d'amour, une comédie romantique. Une comédie romantique, cocooning. Un film cocooning. On est là pour cocooner, du coup on va regarder un truc cocooning, genre oh, un film de Noël. On est en novembre, on a le droit. On a le droit, mec. Ouh là là, mais ça c'est un gros goûter. Donc on a mis un film de Noël et il y a notre apéro qui est là. Les gars, on est au restaurant. Il faisait trop noir dehors pour faire un vlog depuis là. On est au resto et il y a une sorte de menu qui vient avec le forfait cocooning. Et du coup, on a demandé de garder un peu une surprise. Thank you.
après-dîner, c'était absolument délicieux. Vraiment, je vous recommande le restaurant, même si vous habitez à Neuchâtel, vous pouvez réserver via la fourchette, il me semble même. C'était vraiment trop trop bon. Et ouais, là on va aller se coucher, on est fatigué. C'était quand même une longue journée, même si c'était genre au spa toute la journée, on l'a beaucoup conduit. Et du coup, on se réjouit de se mettre au lit, d'utiliser nos nouvelles chaussettes et de prendre un petit bain. Et demain, on a le petit âge qui vient à la chambre à 8h30, entre 8h30 et 9h. Du coup, je me réjouis de vous montrer ça et de me réveiller et de voir la lumière du jour sur ce magnifique lac. Je pense que j'ai jamais vu le lac de Neuchâtel. Je sais, je pense que j'ai jamais vu le lac de Neuchâtel. Toi, t'as déjà vu le lac de Neuchâtel? Oui. À demain. Et je vous souhaite une excellente soirée. Même si vous allez me voir d'ici genre une seconde et demie. Coucou tout le monde, vous pouvez peut-être voir la lumière, mais c'est matin. On vient de se réveiller, on vient de se faire vivre le petit-déj. C'est canon et surtout la vue. Il fait encore un peu nuageux, mais c'est déjà trop beau. Pour un petit déj, on a pris les pancakes, la salade de fruits, le beer cher, une assiette de fromage, les madeleines, le saumon et une corbeille de viennoiserie. On a aussi pris du jus d'orange, du lait, du café. Ou je crois que ça en fait c'est du chocolat chaud. On va gentiment manger tout ça maintenant. Wednesday night, just hanging out, us two. Just got home and you turn on some blues. Then tell me you're hungry, I go order Chinese. Wednesday night, it's easy love with you. Okay, okay, okay. I'm your sunshine mixed with a little hurricane. White hot angel. Feeling I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my west. When you see me at my worst, try to make me feel my best. This love we just can't deny it. You know all the ways I like it. You holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. Holding me, tangled up in these sheets. Holding you, holding me, easy love. Bon, je crois que notre séjour s'arrête ici. On dit au revoir gentiment à la vue. On a passé toute la matinée à faire des photos pour Instagram, pour du contenu, pour le vlog. Enfin, on a fait un peu de tout. Là, on va faire voler le drone une dernière fois depuis le ponton de l'hôtel. Et on va gentiment à un check-out. C'est un peu triste, non? C'était vraiment très cool comme, comme séjour. C'est super triste, c'était génial. Merci beaucoup en tout cas Palafit de nous avoir accueillis, c'était génial. Tout était juste impeccable. Il faut absolument qu'on revienne, un de ces quatre. Je suis en train de chercher les dernières images du drone qu'on a pris. On a check-out. C'est fini. Mais... on repart en aventure la semaine prochaine, du coup je vais essayer de faire la même chose en un petit vlog et j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas cette expérience était magnifique, je vous la recommande fortement. Ils ont des packages vraiment très excitants et sympas et c'est vraiment cool de pouvoir un peu se retrouver et de pouvoir passer du bon temps avec ceux qu'on aime, parce que des fois c'est nécessaire.
vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Et sinon, toutes mes autres aventures seront sur Instagram, quoi qu'il arrive. Bisous. Only you can make this better, babe. All this